Allô mes amis, c'est temps pour Hôtel avec Madame. Aujourd'hui, j'ai pensé pour commencer la semaine que nous avons besoin de quelque chose qui nous donne un petit peu plus de couleur dans notre vie. Donc j'ai pensé qu'on peut lire le livre Couleur par Hervé Tulet. Donc il est vraiment un auteur qui vient de la France, il fait beaucoup de ses livres, tu as probablement vu. Il a fait comme Press Here et les choses comme ça. Mais c'est un livre qui est un petit peu long, mais je pense qu'on a besoin pour commencer notre semaine ensemble. Prête? Ta pote sur la pointe grillée. Tu vas voir, elles vont venir. Ok, je vais faire. Oh, les voilà. Au début, elles sont un peu timides. T'as pas encore. Oh, regarde toutes les couleurs. Ok, j'ai besoin de faire encore. Elle arrive, mais il en manque encore. T'apporte une dernière fois. Plein de couleurs. Ok, j'ai besoin de t'apporter une dernière fois. On va voir. Ah, c'est bien, elles sont toutes là. Pose ta main au-dessus, ferme les yeux et compte jusqu'à 5. Ok, so j'ai besoin de faire comme ça. J'ai besoin de compter jusqu'à 7. Tu peux faire avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Maintenant, tu as une main magique. On y va? Mon main va là. Est-ce que j'ai des mains magiques maintenant? Je sais pas. Prends avec tes doigts un peu de bleu ou un peu de bleu et caresse le jaune. Oh! Tu vois? Ça fait le vert. La couleur préférée de madame. Maintenant, prends un petit peu de rouge et caresse le bleu. Ça fait du magique! Oh! D'accord, c'est violette. Prends du jaune maintenant. Et pieds sur le rouge. Voilà, c'est bien ça. Tu s'en souviendras? Orange. On continue. Si tu sais sur le livre dans tous les sens, ça va te donner quoi? Ok, so j'ai du jaune et un peu de bleu. Maintenant, j'ai besoin de mélanger ensemble bleu. Et ça, faire maintenant, quelle couleur? Je sais pas. Oh! Juste comme ça. Ça commence de mélanger. Quelle couleur est-ce que ça forme? Ouh, c'est bien. Ok, so maintenant, si tu penches le livre vers la droite, qu'est-ce que ça va passer? So, j'ai la rouge et j'ai le bleu. Mais si je fais comme ça, et ça a besoin de mélanger ensemble, ça fait... Oh! Violette. Ferme le livre d'un coup pour que la couleur de gauche embrasse celle de droite. Ok, so maintenant, j'ai jaune et rouge. J'ai besoin de fermer. Mélanger ensemble. Et il dit que ça va faire une nouvelle couleur. Oh! Tu avais trouvé! Bravo! On a créé orange. Et si tu frottes tes couleurs avec ta main sur toute la page, ça fera quoi? Ok. So, je fais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui! Je vais dire un désastre. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Pour peindre tous ces points en vert, que faut-il faire? Wow! On a réussi! On a fait du vert. Ok, encore, on continue. Le blanc,
C'est différent que toutes les autres couleurs. Vas-y et essayez. Donc, tu peux voir à la gauche ici que nous avons plein de couleurs. Nous avons toutes les couleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ajoute le blanc en chaque couleur? Je sais pas, on va voir. Oh, tu vois? Il devient plus pâle. Le noir, c'est pas exactement la même que le blanc. Donc, maintenant, c'est à toi. Essayez. Si nous avons toutes ces couleurs et on ajoute de noir, qu'est-ce qui se passe? Tu as compris? C'est simple. Maintenant, ils sont plus foncés. Je veux dire aussi que la rose, c'est presque gris maintenant. Ou un brun. Et ça, c'est comme le caca de chien. Les sorcières de Sacré Sorcière vont pas aimer ça. Et si tu prends un petit peu de la gauche, qui est blanc, et un petit peu de droite, qui est noir, qu'est-ce qui se passe maintenant si on mélange les deux? Oh voilà! Tu as fait! Ça devient la gris. Tu en sais déjà beaucoup. Maintenant, pose ta main, compte jusqu'à 5. Ok, so maintenant, j'ai toutes mes couleurs. J'ai besoin de mettre mon main ici et compter jusqu'à 5. Fais-le avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Et ça y est, c'est fini. Oh! Au revoir. Dis au revoir à toutes ces couleurs. Maintenant, c'est à toi de jouer, de regarder, de mélanger, de découvrir. Et surtout, and most of all, amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Ça dit sur le dos. C'est beau et c'est magique. Ce sont les couleurs. N'oublie pas que vous êtes juste plein de couleurs et vous êtes incroyable et vous êtes magique. Et ça, c'est ce que j'adore de vous. OK, bonne semaine et bonne journée, c'est lundi lumineux, donc c'est une bonne journée d'avoir une bonne journée. Au revoir mes amis.